1997, c'est le 20 ans d'existence d'un groupe, Viva la Musica, de Reddy, Stino, Demoukoussé, Djanana. Toute la première équipe, c'est-à-dire Jado les Cambodgiens, Espérant Chakara, Bipoli Nafoulou et Petit Aziza. Yaï. Tester et Menea. Debaba. Fafa de Molokai, Bongo Wendy, Rigosa, Jiva. C'est le roi, Gloria le grand Bouloukoutou, Joli Mobiala, Tina, Asta Paola, Iko, Demokuse, Timololo, Keiko, et Djanana, le doyen. Un bon nombre d'amis qui sont décédés aussi, qui ont commencé dans ce groupe-là. Edino, Pecho ou Apecho, Strevos Nyarkos, Julman, Mickey Joe, Kula Mambo. Il existe toujours ce groupe-là. 20 ans. Je dirais quelque part que je suis heureux parce que nous avons tenu bon. Toujours à la pointe de la nouvelle vague. En 1970, ils fondent un groupe qui, 20 ans plus tard, fait toujours vibrer Kinshasa, le Zaïko Langa Langa. Il faudra attendre 1974 pour qu'il explose enfin et forme son premier groupe, Viva la Musica. Un nom qu'il emprunte à un autre rebelle de la musique. Ce rebelle s'appelle Johnny Pacheco. Reddy Amici, il est dans Viva la Musica, ça doit faire au moins 15 ans que j'existe, que je vis dans Viva la Musica ou à côté de Papa Wemba. C'est très important aussi pour le mélomane. Reddy Amici, il n'a jamais quitté l'orchestre Viva la Musica. Reddy Amici, il ne fait pas sa carrière en solo. Reddy Amici, il essaye de promotionner les albums qui sortent en solo. C'est-à-dire quand il fait un album qui sort, il faudra qu'on fasse la promotion de l'album. Et quand je fais la promotion de l'album, j'essaye de faire les radios, et j'essaye de faire les télés, et il y a des concerts aussi qui suivent. Mais Reddy Amici, il reste toujours dans Viva la Musica. Et si je restais 15 ans, je restais 15 ans pour servir Viva la Musica. Et aujourd'hui, je pense que je continue à servir Viva la Musica et de servir Reddy lui-même pour faire ses albums en solo. Ça représente beaucoup pour moi parce que ni t'étais Viva la Musica, je ne serai non plus là devant vous à vous répondre. Donc Viva la Musica, c'est la base de tout pour moi. Et ça me fait vraiment un grand plaisir d'être encore dans ce groupe que j'adore bien, quoi. Papa, c'est notre exemple parce que nous, ça fait au moins 10 ou 11 ans qu'on est venu ici, rien que pour la musique, faire de la musique. Et papa, il évolue en international, donc c'est une chance aussi pour nous d'en profiter, de voir un peu différemment les choses, comment dont il se passe aussi dans d'autres pays ou d'autres continents. La création et la jeunesse de Viva la Musica, si j'ai fait, comme je viens de vous le dire, j'ai fait 8 ans quand même dans le groupe. Normalement, je ne devais même pas mettre un titre.
Je devais normalement mettre 2 ou 3, si je vois bien, selon l'âge que j'ai fait dans Viva la Musica. Mais ce qui m'a fait plaisir, on m'a quand même permis de mettre une chanson. Et ce que j'ai mis, ça s'intitule Joe. C'est la 8e chanson dans Nouvelle Écriture. Et puis voilà, c'est une chanson d'amour. Non, en fait, la Nouvelle Écriture veut dire, je ne sais pas si vous comprenez pas peut-être Lingala, il y a d'autres paroles qu'on a mis à l'intérieur. On a dit Bapeti Bakoli, mais Talaraka. Vous savez, aux ailleurs, quand on parle de misée, donc c'est presque toute la République démocratique du Congo qui s'y présente. Hein. C'est ça, de temps en temps, de tous les temps. Et que Bibala Mujika, et que Viva Papa Wemba. Na Molokai, c'est na Katsa Molokai. Un grand mouvement d'art, d'ambiance, de système, de culture. On y trouve une culture vraiment qui globalise Viva la Musica et avec les formateurs des idoles Papa Wemba. Qu'on ressente ou qu'on s'approche un peu de la réalité de Viva la Musica. Parce qu'elle s'éloigne parfois de nous, parce qu'on a du mal parfois à nous positionner vis-à-vis de la grandeur de l'entreprise Viva. Quoi. Ouais. J'espère qu'un jour on se rendra compte. Parce que Papa Wemba fait une carrière formidable ici en Europe, depuis les pays. Son désir était de travailler en Europe. Bon, si j'ai dit qu'il a réussi, mais il continue à défendre l'honneur de mon pays, qui est le Congo démocratique. Bon, partout, il fait tous les continents. Il est toujours à cheval, Viva la Musica, Molokai. Tout. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui vit de la musique. Donc, c'est un grand monsieur. Je viens d'avoir une agréable surprise de figurer dans ces dictionnaires, quoi. C'est que pour être admis, il faut au moins 350 académiciens décident à ce que vous figurez dans ce genre de dictionnaire, quoi. Et ben, je suis là. On dit de moi ici, Papa Wemba Shungu Wemba Dio, né en 1949. Musicien et chanteur congolais attaché à la culture bantou. Ben ça c'est le trophée Kilimanjaro en 94. Là c'est le Africa Music Award, meilleur groupe africain. C'était à Abidjan, en 94 toujours. Et en 94 toujours, c'était Trophée Consécration, Papa Wemba, World Music. Et en 95, meilleure voix masculine d'Afrique. Afrique Caraïbe, Papa Wemba, c'était toujours, c'était à Libreville. Et puis, ça c'était tout dernièrement aussi, pour le meilleur clip vidéo,
Chaka Okoko Korobo, réalisé par Sika Productions, qui a décroché les prix. Mbele na koma na ba plateau ngai furume moto ba mwela taba mambila mbila wakafwa nandenga kolote mululu ngonda depas kondinga legend le mene là c'est Cora. La première édition de Cora, Best African Artist, Papa Wemba, c'était à 96, American World Music Award, 97, Artiste de l'année. Do avoir un solo ya kamulete na kamiti. Ici la kate. Super solo au. Ya dedit. Kamulete mwana ya Zoba. Kanuti mwana ya Mayele. Mais histoire ango eza molaitro. Bokotu na vul a sala livre ya 480 pages a vous expliquer bino. Eko bima kala mingi te. Bref. Makamboyo Lempika Yebisa mère Malou Batale langa situation langai na malembe Mpo na komi de paysé. Libérateur. Gana za libérateur donc qui nous au cavalier libérateur qui soyez. Ngiri fait bal. Balabala yangambi numéro 200. Où ça avoine? Ngana sala na ba likolo. Bobwa na jument. Na osalo atama di koko po etiamo ba elengi mo bo evie. Na e bandeli nzambe asala kae moko e. La mayele mpe bolingo na ye akeli moto. Aha. Kangala nzemba o paninga ba sepela o bon ok petit vana va la vana ngiringiri jeba comment ngiringi comme on a big zas Moi, c'est New Jack d'Afrique, enfant chéri à papa, Yemogo, le grand musée. On a reçu Pelatro, à ma mélomane, à Zolanda. Viva la musique, à nouvelle écriture. Donc, Tinengé Touzawa, puis nous avons reçu Boyokika Rapalaki, Tukini, Angomokili, Mobimba. Alors, on les avons au Ben de son, le numéro 1. Bouzé et Bat. Ma petite Bakoli, mais ce n'est pas bon, on vous réserve. Donc, les avons Ben de son, numéro 1. Pour me sélectionner la grimace, c'est ça qui n'est pas ça, n'est-ce pas? Quand on a le monde, on me sélectionne la prrrr, mais ça n'a rien. Si on a un peu de temps, c'est que tant, on a tout ça, yat. Pour rêver ma propre nouvelle écriture, donc, ma jeune moi, ma boga, ma tanga, ma dana, ma kin, française, ma lata, ma vrie, ma épouse, un changement. Ah, donc une musique à te. Oya Mbunda, y'a pas grand, t'as la canne, tu vas bonga, banani. Bon, on a reçu bien nombre de besoins, mais il y a déjà un zouzé dans Mbunda. Donc, on a beaucoup de trotté, calaté. Tout ça, on me pense. Mais bien nombre de besoins, on a beaucoup déjà un zouzé, on a qu'à te dessiner, on a pas grand percussionniste à Strasbourg. Mbaloy. Trop mystique. Le balo va trop, bozo y barra ma watro. Donc, ah, la zabongo, du bosso arisel ya, yemei, l'encourou, le vieux mousé. Donc, bozo la kalate, toya ma côté wala.
Ton salam en bas vrai, maman va danser. Oh, ça a une nouvelle écriture, il a précisé bien. Pas des blagues. Moi, c'est Ibos, le grand bâti, côté Quinta au bon. On a boire à Rana Yeme, papa, le Kourou. Donc, besoin de biso ba nouvelle écriture. Donc, biso m'to boire à qui, ba bilo bozo yo kaana. Ba ça y tout ça. Wanduku, awa wanona jinangu Ramazani. Kwa mapendo, niko sulise kacha kuorkesi viva la muzika. Ni mtu nitoa Kisangani, ni mswele Kisangani. Niwapenda muzika viva tangu zamani. Mais voici Pacheco de la musique Checo Checo. Andulisa la musique, moi la litonge. La litonge, je n'ai pas papa. Moi, je viens à papa. Vous avez un binôme ou quoi? Ma tchachi, ma ferré, donc danser. Somme au trou. Donc somme. La tigui binôme, la petite binôme beauté, moi la côté pas à papa. Souci Mouleka. Christian Nanzenze, le plus jeune keyboardiste de la République. Donc il est donc défouaté à la basse. Toali na Tosha Oka. Tosha. Baba Swabi Bende. Maître Pinos, donc le doyen des doyens des doyens. Pinos. Donc Aaron, donc jeune drummer. Donc Botalaga Bonzenga. Donc Kalamingite pour vivre. Banabasi Bokeba, Poisoya. Les Makikaka. Alors, il n'y a tout rien. Écoute-moi là, le pensant, tu n'es pas vieille, mon gars, ou Nenge vieille moga utolo ba pour maître ya ba maître. La musique nouvelle écriture nzaka ya sika. Fan club. Mystique. Non, bah toi, t'es bien mon beau et barade. Bah marque, on a auto lamba, il lamba, bah côté bah pour naquer, bah vani vani. Beau et bat. Nga zelo nga. Ouais, bah on se moine. Donc là, nga zelo nga. Est-ce que bien au saut que n'a pas tout? Moi je suis formateur d'idoles quoi. Ah ouais, j'ai formé pas mal d'idoles quoi. Papa Wemba n'est pas seulement une star adulée, c'est également un découvreur de talents, un formateur d'idoles. Kofi Olomide, Emenea, Debaba, Rigo Star, Esperon, Bipoli, Dindo Yogo,
la liste est bien longue. Je vous présente Luciana, qui se fait coiffer par Mams. Mais ça, c'est Nidjo Kwepa, patati, patata, ceci, c'est là, c'est celui qui en était l'auteur compositeur. Séance de répétition avec tous les musiciens de l'orchestre Viva la Musica. Maître de cérémonie, Papa Wemba. Avant d'être une bête de scène, Papa Wemba est une vraie bête de travail. Il n'hésite pas à infliger de longues heures de studio continues à tous ses musiciens, à la recherche d'une innovation, d'un nouveau son, celui de la rumba de l'an 2000. Le pionnier de la nouvelle génération est serein pour l'avenir, plein de projets dans la tête et beaucoup de musique dans le cœur. Là, je suis en train de produire pas mal d'artistes, mais je participe moi-même aussi en tant que chanteur, quoi. Mais je crois dans les années à venir, c'est des idées qui me viennent comme ça, que je vais m'occuper beaucoup plus à la production et je vais m'arrêter là, quoi. Bon, peut-être, pourquoi pas monter un studio ultra moderne au pays, seul Dieu, c'est tout ça, quoi. Los Angeles.